Anne Mérad et Rachid Hamis sont ce soir nos invités du dîner. Bienvenue sur le plateau, bonsoir. C'est à vous. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Ah, c'est bien madame. Ça va, ça va. Dit, oui, ah, bah, oui, non mais j'ai regardé là. On dit bonjour à tout le monde. Oui, Michel Simès, Anne Mérad, Laurent Romeschaud qui a arrêté de fumer depuis le 1er novembre. J'ai vu ça, oui. Comment ça va? Voilà. Ça va bien. Maxime Switek, Marion Ruggieri et madame Cohen. Ça marche aussi. C'est un chien ami. Bon, on est ravis de vous recevoir tous les deux. Très turbulent comme d'habitude. Oh là là, insupportable, vous voulez dire. Mais non, mais parce que je fais des films où je suis tellement. Tellement retenu que là, oui, que là, il faut... Rachid Hamis, c'est votre premier film. Bravo. Oui. Excellent et très joli premier film. Et c'est la première fois qu'on a le plaisir de vous avoir sur le plateau. Cad, lui, très à l'aise. Hein. Ici oui. Ça a changé. Il y a un truc qui a changé. Ah bon? La présentatrice. Oui, la présentatrice, ouais. Oh, mon Dieu. Oh Acteur studio. Ah, César. Oui, pardon. Une nomination au Grammy International Award of Fuck in the World. Ah ben déjà qu'il y a une nomination. J'arrive même pas à le dire. Là, c'était très bien. Ce qui est génial avec Cut, c'est qu'il se passe toujours quelque chose avec lui. En commun, vous avez choisi le bon acteur. Parce que pour le service après-vente, il est parfait. Ah non, dites pas service après-vente. Ah bon, pour la promo? Ouais, non. Comment on dit alors? Pour défendre le film. Pour défendre le film. Mais vous aimez ça, défendre le film. J'aime beaucoup, surtout quand c'était des films aussi réussis, voilà. Mais voilà, c'est le cas. Même si Patrick Cohen ne comprend pas toujours l'humour qu'Anne Mérad en regarde, ce moment de solitude. Je sais, le pauvre. Et bonjour, Anne Mérad. Bonjour, madame. Ça commence bien. Et moi? Mais madame. Oh, ça va. Bonjour à toutes et à tous, voilà. À toutes et à tous. Ah, c'est ça. Nicolas, c'est la référence à quand? Radio, il comprend ça. Rien, Patrick. Il dit et moi, bonjour. Vous étiez très, très en forme, y compris face à Laurent Delahousse. Regarde. Mais j'ai vu. Mais bon, il me reste 30 secondes. Tiens, il t'a demandé au téléphone. Qui? Mon cul. D'accord, voilà. Magnifique. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, Cannes? Alors, je suis obligé de vous le dire. Non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'étais invité dans la première partie du 19h, ouais. Où il était question de Pierre Desproges. Oui. Et on m'a demandé si je voulais bien donner mon avis ou parler de Pierre Desproges. Et j'ai appris après qu'il y avait un autre humoriste en face, Jérémy Ferrari, qui est a priori une espèce de descendant, de nouveau Pierre Desproges, héritier de Pierre Desproges. Et là, on commence à me demander un peu qu'est-ce que vous en pensez de ça. Il y a une espèce de, presque un débat. Et je trouvais que c'était pas très drôle quand même. On est des humoristes à ce moment-là, on parle d'humour. Eh ben et tout oui, d'un coup, donc, on était là en train d'essayer d'analyser, d'expliquer l'humour. Donc je me suis dit, il faut faire un petit mon cul, un truc comme ça. Mais j'ai fait ça pour faire rire mon fils, je vous dis la vérité. Et ça l'a fait marrer ou pas? Il a adoré. Explosé, quoi. Et puis bon, évidemment, c'est repris. Alors, Cad Mérad se prend, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit? À un moment donné, ça va, quoi. Ah non, nous, ça nous a juste c'est fait rire. C'est pas grave. Oui. Vraiment, Cad. Non, mais le but, c'est ça vous a fait rire, Rachid? Bah, beaucoup, parce que je l'ai déjà vu, son cul, donc c'est vrai que... Ah oui. Ça commence bien, le service après-vente. C'est pour ça qu'ils ont vu son cul. On est pas tous égaux, ça. On le voit pas dans le film. Non, c'est pas vrai, mais si vous avez. Il n'apparaît pas dans le film. Non, pas dans le film, mais dans sa pièce de théâtre. En revanche, on voit son crâne rasé. Incroyable look, d'ailleurs, Cad, totalement chauve. Vous ressemblez à Jeff Bezos. Ah, moi j'aurais dit François Langlais. Oh, Jeff Bezos. Je connais. Ah, François Langlais. On m'a pris, c'est le type qui fait l'économie là. Oui. On m'a pris pour lui dans un train. Regardez. Alors, je vais dire une anecdote hyper vraie. Je suis dans un PGV. Il y a une femme et un homme qui me voit et fait oui, vous avez raison quant au truc. 40. Et je jure que c'est vrai. Je t'ai emmerdé quand même. Qui c'est ce gars qui me connaît pas? Mais voilà, il vous prenait pour franchement. Bon, c'est pas grave. Hein. Pour en revenir à cette fesse. Enfin, je suis quand même pas aussi. J'ai pas cette espèce de fesse là. De Moi, vous m'y avez fait penser. Mais c'est. S'il vous plaît, ne m'embarquez pas sur les trucs. Non, pardon. Je sais que vous aimez ça, voilà. Ah oui, j'adore ça. On revient direct. À la mélodie. Tout est possible. Excellent premier film. Bravo. C'est vrai, non, faut revenir. Encensé par la critique. Feel Good Movie pour 20 minutes. Prix du film le plus humaniste à la Mostra de Venise. C'est vrai. 15 minutes de standing ovation à l'issue de la projo. C'était quelque chose. On était très émus avec... Mais oui, Cad, quand il leur parle, les larmes lui montent. Je vais laisser parler Rachid, d'accord. Parce que moi, je parle tout le temps et je pense que... Non, mais... On ne voit pas beaucoup ce garçon et franchement, c'est dommage. C'était plus qu'émouvant parce qu'on a ramené les enfants avec nous et être entouré des acteurs avec qui on a travaillé quand même comme des ânes battés parce que le violon, c'est un défi. Mmh. Et se retrouver là-bas et vivre ça ensemble, c'était très, très fort. Ce que je disais ce soir-là à Cad, je lui disais, tu sais... Là, c'est ce moment-là qui fait que la valeur de notre travail se trouve ici. Et bien sûr, la plus grande valeur, ce sera celle du public. Mais là, on est avec du public, on est avec des gens. Et se retrouver avec René Lee, Youssouf, Kat, Samir... 15 minutes de standing ovation. C'était vraiment un moment extraordinaire. Ouais.
Cad, on a interviewé un autre réalisateur avec lequel vous avez travaillé pour voir ce qu'il pensait de vous. Alors. Bonjour, c'était pour recommander Cad Merad. Je vous recommande Cad Merad pour tout type de travaux. Il fait l'acteur, d'accord, mais c'est un très grand bricoleur. Il est très très bon. C'est même, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bon. Cad Merad est un grand acteur parce qu'il a une invention, une spontanéité, une facilité, une aisance dans la sincérité de jeu. Il a un côté animal dans sa manière d'aborder ses rôles et un sens de la comédie inné. Alors, le seul truc, si je peux dire un défaut, ne mettez jamais à table du rosé. Alors, super bricoleur, super acteur, mais pas jamais de rosé. Pourquoi ? Sinon, il y a l'animal qui sort. Alors, en vous. Pas du tout. Non. L'animal. Non, mais ça, c'est... Faut être sérieux. Le rosé, c'est un petit apéro, quoi. Comme tout le monde. On aime bien l'été sur la terrasse. Non, moi, j'habite à la moitié du temps à Marseille, bah, quand même, pour le savoir. Mais ça tombe bien, il y a du rouge à table. Et pour c'est le très dîner. Bien le rouge, voilà. Mais après ça dépend. Il y a rouge et rouge. Hein. Vous restez avec nous, on va continuer à parler de la mélodie. Merci bien, Laurent Romeschko, bon courage pour l'arrêt du tabac. J'ai arrêté de fumer celui-là. Oui, celui-là. Vous avez combien de kilos ? Ça va, 12 pour le moment, voilà. Alors 3 jours. Ah ouais, c'est inévitable. Moi j'ai arrêté de fumer, j'ai quand même grossi. On va en reparler, merci Michel Simès. Dr Good, c'est un bimestriel qui est en kiosque. C'est-à-dire nouveau numéro. Oh, je sais pas, tous les deux mois. On va être rejoint par une grande artiste à la voix exceptionnelle, il est infernal et qui a marqué l'histoire de la chanson française. Catherine Ringer, regardez, elle est là, Catherine. Elle signe son deuxième album solo avec un cri du cœur, Seigneur, j'adore. Elle sera dans un instant avec nous. À tout de suite. Merci, messieurs. Vous êtes crevants. Non, on passe à table. J'ai fait toute une petite annonce, vous n'avez même pas écouté. À tout de suite.